Il faut nous suivre. Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne qui vous partage toujours des bonnes astuces, la chaîne qui vous mettra potentiellement sur le chemin de la liberté financière, la chaîne qui vous apportera toujours de la valeur. Voici en exclusivité la plateforme Pekin, c'est une plateforme africaine, 100% africaine, qui permet déjà d'avoir une carte Visa virtuelle, une carte Visa virtuelle que vous pouvez acheter tout en ligne. Vous pouvez acheter sur Amazon avec cette carte virtuelle, vous pouvez acheter sur AliExpress avec cette carte virtuelle, vous pouvez acheter même dans des magasins avec cette carte virtuelle en ligne avec cette carte virtuelle. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous pouvez acheter vos crypto-monnaies sur Binance, sur crypto.com, bref, sur toutes les plateformes de vente de crypto-monnaies, vous pouvez acheter vos cryptos grâce à cette carte Visa virtuelle qu'on appelle Pekin. Bon, là maintenant, je vais me loguer parce que vous avez un système de sécurité supplémentaire ici. Et vous pouvez vous loguer par code secret et par empreinte digitale, donc par empreinte biométrique. Voilà, donc je vais me loguer tout de suite. Je vais d'abord mettre pause pour ne pas publier mon code. Sachez que c'est une plateforme qui est vraiment très intuitive, vous allez voir. Elle vous permet juste de vous la recharger juste à partir de votre mobile money. Donc si vous avez Orange Money, MTN Money, vous êtes au Cameroun, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Mali, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc je vais voir si d'autres pays ont été ajoutés ensemble avec vous. Là je me pose pour me loguer rapidement, comme ça je partage. De mieux partager ce projet avec vous parce que il y a plusieurs questions qui reviennent encore. J'ai encore reçu une question aujourd'hui. J'ai des fioles qui ont des difficultés à pouvoir acheter des crypto-monnaies en ligne. Ils ne veulent plus passer par des intermédiaires parce que ils en ont marre d'être arnaqués par des intermédiaires. Ils veulent eux-mêmes aller acheter leurs crypto-monnaies en ligne sans toutefois passer par un intermédiaire. Donc, c'est pour et raison pour laquelle. Et pour acheter en ligne, vous devez avoir une carte Visa virtuelle, une carte Visa physique, une Mastercard, voilà, ou une American Express. Bref, ça dépend. Mais je vous ai dit qu'il vous faut une carte. Et voici donc la solution pour vous. Vous qui cherchez une carte Visa moins chère pour pouvoir acheter, parce que la carte en elle-même elle ne coûte pas cher. Nous allons voir en gros toutes les informations liées à ce projet. Donc, c'est un projet 100% africain et fiable. Donc, je vais me connecter tout de suite. Bon, là, je suis dans le dashboard du projet, vous voyez là. Donc, ça, c'est le solde de ce compte-ci. Et quand vous faites le référencement, vous avez 2000 francs par parrainage. Donc, c'est environ combien? C'est environ 2,50 €. Environ 2,50 € par transaction. Donc, rien que cette année, voici les commissions que j'ai eues en 2020, en 2021, pour cette année. Voilà, ça, ce sont les commissions que j'ai eues. Donc pour la recharger, c'est très simple. Pour la recharger, vous venez juste sur recharger ici. Bon, vous cliquez sur... Je vais mettre pause d'abord pour voir si ça ne va pas afficher mes données. Parce que c'est une carte, il faut... Oui, donc pour la recharger, c'est comme ça. Mais ça, c'est lorsque vous avez acheté votre carte Visa. Parce que je vais vous montrer comment aller acheter votre carte Visa. Donc, pour l'acheter, et vous avez des paiements annuels une fois. C'est pas cher, c'est très très moins cher. Nous allons voir cela en détail. Donc, je vais sortir d'ici. Je vais sortir d'ici. Là, je sors de là. Bon, je viens. Nous allons venir juste ici. Là, nous allons venir ici sur carte. Attends, je mets pause pour ne pas partager mes données personnelles. Je vais mettre pause encore. Bon. Et maintenant, il y a une innovation parce qu'avant, il n'y avait pas de carte physique. Avant, il y avait juste des cartes virtuelles. Maintenant, avec Pekin, vous avez la possibilité d'avoir une carte virtuelle et une carte physique. Bon, pour avoir une carte virtuelle, vous allez juste cliquer ici. Pour ceux qui veulent la carte virtuelle en ligne, vous cliquez juste là. Ceux qui veulent la carte physique, vous cliquez ici. Voilà. Et vous allez aller rechercher votre carte dans un point de vente. Donc, je vais simuler un essai avec la carte Visa virtuelle. Pour avoir votre carte virtuelle, il faut l'acheter. Donc, vous cliquez juste ici sur carte Visa virtuelle. Voilà. Ce compte n'a pas été vérifié. Pensez à soumettre vos documents avant d'effectuer cette opération. Donc, il est question de vérifier ce compte. Vous devez envoyer vos documents pour le cas IGATC. Voilà. Déjà, une fois que vos documents ont été validés, donc vous avez ici le prix de la carte. Ici, c'est 5000 francs. Et vous avez.
vous avez comme ça une validité de 4 ans. Donc, vous avez une validité de 4 ans. Donc, la carte a une validité de 4 ans. On dit obtenez votre carte Visa virtuelle Pékin maintenant avec un solde de 5 $. Donc, avec juste 5 $, vous avez votre carte Visa virtuelle. Donc, offre pour votre premier achat à 5 000 francs CFA. Donc, voilà. Il y a un code de parrainage. Le code de parrainage, c'est. Je laisserai le code de parrainage en bas de page parce que pour acheter votre carte Visa, vous avez besoin du code de parrainage. Voilà. Une fois que vos données sont remplies, une fois que vous avez terminé votre carte IGATC. Maintenant, pour la carte Visa physique, pour la physique, vous cliquez juste ici. Vous cliquez juste ici. Donc, vous remplissez toutes ces informations-ci et vous l'enregistrez. Vous enregistrez votre adresse où la carte sera livrée. Donc, quand souhaitez-vous avoir que la carte soit livrée, ici en deuxième, ici, où souhaitez-vous que votre carte soit livrée? Voilà, vous mettez toutes ces informations-là. Autre détail d'expédition, vous ajoutez là. Donc, tout dépend de vous. Voilà, on a terminé avec cette partie. Maintenant, on va aller au niveau du transfert ici. Au niveau du transfert, donc, si vous voulez inviter un ami, c'est très simple. Vous mettez son numéro de téléphone ici et vous cliquez ici sur inviter. Voilà, vous l'invitez. Donc il y a plusieurs pays. On va voir les différents pays. Et actuellement, cette carte-ci est possible uniquement dans 4 pays. Nous avons la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Cameroun. Donc cette carte vous permet de faire tout ce qui est possible en ligne. Donc achetez vos crypto-monnaies, vos bitcoins, vos BNB, vos Ethereum. Toutes les crypto-monnaies qui existent, vous pouvez acheter avec cette carte. Donc, c'est vraiment important pour des personnes qui ont des difficultés à être bancarisées. Voici la solution. Ici, on ne vous demande pas votre contrat de travail. Bon, même un étudiant qui a juste peut-être 10 000 peut déjà ouvrir son compte ici, là. Donc, voilà. Ici, voilà. On dit ici, on nous allons continuer. Pékin, bonjour. Nous simplifions les paiements en ligne pour les particuliers et les business. Voilà, pour les particuliers et les business. Avez-vous des questions? Donc, il y a un système de chat. Il y a même un chat sur WhatsApp. On va aller sur le chat. Accéder au chat. On accède au chat directement là. Il va nous amener sur WhatsApp. Voilà, ils ont un chat en ligne que vous pouvez directement entrer en question. Vous posez vos questions directement. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui sont là pour vous répondre. Voilà. Bon, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est une plateforme très intuitive. Donc, comme je l'ai dit tantôt, donc je vais me connecter encore de nouveau. Je vais me connecter de nouveau encore. Voilà, je me suis connecté de nouveau. Donc, voici à peu près comment on a normalement parcouru le dashboard. Donc, ça, c'est votre cadre. Vous pouvez aussi retirer. Pour retirer, vous cliquez juste sur retirer. Vous mettez le montant, vous mettez votre numéro de téléphone et vous retirez. Voilà, vous mettez le montant et. Vous mettez le montant. Si je vais retirer les 40 000, je mets le montant, je mets mon numéro de téléphone. Là, c'est directement, je dirais, dans mon MTN Money ou Orange Money. Voilà. Et il n'y a pas de frais. C'est vraiment intéressant. C'est très intuitif. Maintenant, le solde de votre compte, vous regardez là. Donc, voici une offre pour vous. Une offre pour vous que je vais partager avec vous. Voici une offre ici. Une offre très, très intéressante pour tous ceux qui vont acheter leur carte Visa virtuelle. Vous allez bénéficier vous allez avoir une réduction de 1 000 francs. Des 1 000 francs sur le prix et sur le prix des cartes et vous recevez encore 1 000 francs de commission. Donc si vous achetez la carte, si vous achetez une carte Visa ici, vous allez avoir 1 000 francs de réduction et moi je vais avoir 1 000 francs ou 1 000 francs de frais de commission. Voilà, et voici mon code de parrainage pour ceux qui vont utiliser ce code aussi pour se parrainer. Voyez ça. Voilà, bon, pour l'instant j'ai encore 0 invité ici. Voilà, c'est ça. Maintenant, nous allons aller ici. Ça, c'est pour scanner. Peut-être c'est pour scanner. Lorsque vous voulez effectuer des paiements en ligne, les paiements, vous pouvez scanner le QR code dans un magasin, tout ça et autres. Donc, c'est tellement intuitif. Ça a très, très vite, ça a évolué. Ça a beaucoup évolué cette plateforme par rapport il y a de cela quelques mois. Voilà, ça a beaucoup évolué. Ça, c'est un système de notification en ligne. Donc, là, je vous ai partagé comme ça toutes les informations importantes de ce projet. Donc, j'ai déjà référé la plateforme à plusieurs personnes. Vous voyez, à chaque fois, lorsque je refais la plateforme, j'ai environ 2 000 francs CFA.
Ça me fait déjà ici 40 000 francs CFA, donc soit environ bientôt 50, plus de 50 euros déjà que j'ai déjà reçu juste en partageant, juste en référant mon lien d'affiliation. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est une plateforme que je recommande à toute personne. Si vous êtes en Afrique et vous avez des difficultés à pouvoir avoir une carte de crédit, une carte, une Visa carte, une Mastercard physique ou virtuel, n'hésitez pas à utiliser cette application qu'on appelle Pekin. C'est vraiment, c'est très très sécurisé, donc il n'y a pas de souci. Vous la rechargez directement avec votre Orange Money sans toutefois perdre de temps. C'est très rapide. Vous achetez vos crypto-monnaies en ligne avec cela en quelques secondes parce que lorsque vous avez acheté votre carte, vous avez toutes les informations nécessaires. Et nous allons aller au niveau de la carte. Vous avez toutes les informations nécessaires sur la carte. Vous avez tout. Vous avez le numéro, vous avez le code de validité, vous avez le code secret, les trois chiffres. Voilà, c'est fait. Donc, voilà. Donc, les gars, ne perdez pas de vue ce projet. C'est un projet intéressant. Lorsque je l'ai dit, la suite au prochain numéro, ne manquez pas d'avoir votre carte Visa. Si vous êtes. Attendez, on va voir les différents pays. On va voir les différents pays. On va voir les différents pays. Encore, je vais encore revenir sur les différents pays. Comme ça, on aura invité une nouvelle personne. Voilà. Voici les pays où cette carte-ci est disponible. Voilà. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun, au Sénégal. Voilà. Donc, ces quatre pays-ci ont la possibilité d'avoir leur carte Visa virtuelle en ligne à tout moment. Voilà. Physique ou virtuelle. C'est un projet, c'est un palliatif vraiment important pour soulager les personnes qui ne sont pas bancarisées. Parce que nous connaissons très bien que l'Afrique étant des pays du tiers-monde, environ 85% de la population ne sont pas bancarisés. Donc, et voici un moyen juste pour pallier cela. Donc, c'est pas facile, c'est pas compliqué à utiliser. Donc, je vous ai montré. Si vous avez des difficultés, donc essayez de laissez-nous en commentaire. Laissez-nous en commentaire et nous ferons le plaisir de vous répondre. Et ils ont la plateforme a également un système de chat. Sur la plateforme et un chat WhatsApp. Donc, quand vous avez des difficultés, n'hésitez pas à les contacter. Pour la recharger, vous la rechargez avec Orange Money ou MTN Money. Voilà. Dans quatre pays. Lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les différents projets que nous partageons parce que cette chaîne a pour vocation à éduquer, à former, à coacher, à partager des projets émergents, à partager des bons plans, à également vous apporter de la valeur. Lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye.